Voilà. Alors, Monsieur Larcel, donc ici, on est devant une salle qui est toute nouvelle et qui est une salle qui fait quoi? L'écoute, l'orientation et la médiation sociale. L'écoute, l'orientation et la médiation sociale. Ils sont trois pôles d'activité extrêmement importants. Alors, l'écoute, comment ça se passe? Il y a une assistante. On est bien fort. Il y a une assistante sociale qui a le master et qui s'occupe de ce pôle. Alors, concernant l'écoute, on écoute les gens qui ont des problèmes, on intervient selon notre disponibilité ou notre dernier pouvoir. Voilà, la possibilité d'orienter, de conseiller, résoudre leurs problèmes, quand c'est des problèmes familiaux qui dégénèrent parfois. Concernant la médiation sociale, on a un programme qui s'appelle Sa'at-Yabal. On essaye de donner l'aide aux familles démunies. Oui, des aides. On aide les familles démunies, on leur cherche. Des subventions, oui, des moyens, oui, oui. Gérer leur budget. Oui. Gérer leur budget. C'est tout à fait un pack pour ces familles-là. Parfois, on intervient chez la santé ou bien chez l'éducation sociale quand il y a un problème concernant les élèves. Moi-même, il y a un grand effort de cette jeune fille concernant son rôle de médiation sociale. Et l'orientation, alors l'orientation c'est important parce que les métiers. On organise des rencontres concernant par exemple les élèves et les étudiants concernant leur étude ou l'avenir de leur travail ou ce temps. On organise des forums pour ces jeunes-là afin de les aider à franchir l'avenir. Voilà, essayez d'orienter parce que l'orientation c'est important. On voit par exemple des jeunes qu'on envoie en comptabilité, puis en fin de compte ils veulent faire de la mécanique. Oui, exactement. On voit. C'est vrai, oui, l'orientation c'est très important. L'orientation. On a besoin de. On ne sait pas que parfois des jeunes peuvent devenir. On a aidé des jeunes pour devenir des scaphandriers, des plongeurs sous-marins. Et ils gagnent aujourd'hui très très bien leur vie parce que les plongeurs sous-marins, il n'y en a pas beaucoup. Ou même des fabricants de luth, hein, de out, c'est-à-dire l'appareil de musique. Hein, l'écoute, c'est important. On accueille des jeunes qui veulent tout simplement qui cultent la musique pour les aider, pour les orienter. Ouais. Alors, on a sauvé un jeune qui a des problèmes de mais on lui a donné un atelier de l'art à Tchkiewicz. Alors, pour l'instant, on travaille avec les établissements scolaires, la peinture, et pour l'instant, il travaille. Et il est très bien, il est très content. Maintenant, il s'est retrouvé. Oui. Il fait de l'art, et là, il s'est retrouvé. Je vais reprendre votre nom parce que nos amis internautes, ils aiment bien savoir à qui ça. Vincent Ifna. Voilà, Monsieur Vincent Ifna. Voilà. Et nous avons été invités à venir ici sur la sympathique invitation de notre cher ami. qui est très motivé et qui nous amène par dans ces associations. Alors, monsieur donne des cours de soutien ici aussi. Ah, vous donnez des cours de soutien. Oui, l'informatique est l'informatique et vous donnez même des cours de soutien en français. Alors, on a besoin d'informatique, on a besoin d'ordinateurs ici. Des associations débutantes concernant la gestion administrative, tâche de projet. Ah, ça c'est bien. Alors, moi je promets de vous amener des fournitures de chez Claire Fontaine, Claire Maroc, qui nous font tellement plaisir, ils nous donnent beaucoup de fournitures. C'est la bonne qualité de fournitures. C'est la très bonne qualité, alors on va vous apporter des fournitures, et comme ça vous allez pouvoir en distribuer aux démunis. On a des très belles fournitures. Alors là, Claire Fontaine, on les félicite, on les remercie. Ils sont nos sponsors. Ils sont généreux, monsieur Brave, ils sont très généreux. On est très très contents. En tout cas, je voudrais que notre sympathique docteur Nabelamine vienne prendre ce couloir. Parce que regardez la couleur de ce couloir comme elle est belle. Regardez. Ah, c'est votre choix. Venez, monsieur Hassan, venez, regardez, on va présenter. Alors là, c'est magnifique. C'est ma proposition. Ah, c'est beau. Ah non, c'est beau, j'ai adoré. Alors, vous êtes un artiste né, cher monsieur. Vous avez du pistache, vous avez du rose.
Là, c'est l'été toute l'année. C'est l'été toute l'année. Oui, ouais, c'est vrai. Ah, c'est pas triste, des couleurs gaies. Voilà, alors regardez l'informatique. On a la salle de l'informatique, là, si on peut avoir des ils donnent des cours de soutien. On demande peut-être à Adèle de nous aider. Salut Marico. Sur Amazon. Bonjour, ça va, vous allez bien? C'est notre formateur de cet atelier-là. D'accord. Donc, elle vous faites l'informatique? C'est 5 ans. Ah, 5 ans. Avec nous. Et nous aide en groupe. Je le félicite pour son travail. Vous êtes motivé? Alors, vous leur apprenez à se servir d'un ordinateur? Vous avez combien d'élèves? Chaque groupe. Il y a des groupes. Des groupes de 12, de 12 personnes. Mais plusieurs groupes. Hein, plusieurs groupes. Hein. Je pense qu'il faut qu'on trouve toujours du matériel informatique plus performant.